C'est bien plus qu'un don, mais un geste de grand cœur que vient de poser l'association des gens bien à l'endroit de l'association Lobempougou, qui œuvre en faveur des Gabonais économiquement faibles. Au nom des clubs des gens bien, parce que depuis 2004, 10 ans jour pour jour, nous suivons de près les activités que votre association ne cesse de mener. Vous faites ce qu'on appelle la restauration du cœur. Et c'est parce que nous sommes imbus de ces valeurs-là que nous avons pensé qu'il fallait vous faire ce présent. Ici, sur présentation de la carte ATNAMGS, le plat de nourriture est au prix de 500 francs. Ce don alimentaire vient à point nommé. Mais très franchement, nous n'avons même pas un mot à part de dire merci. Merci pour cette prise de conscience. Merci pour cet appel du président de la République qui a vraiment insisté sur le pacte social. Ce restaurant de la fraternité vit essentiellement des dons de bonne volonté, de dons de personnes qui ont envie de partager. Car aujourd'hui, nous avons besoin de ressentir qu'entre nous, nous sommes soudés et nous avons la même pensée. Cet élan de solidarité doit amener plusieurs autres organisations à poser des actes similaires pour lutter ensemble contre la pauvreté. Depuis plusieurs mois, passer ce tronçon impose de la patience. Les files d'attente se sont allongées au fil du temps, mise en cause cette route qui s'est détériorée à cause d'une mauvaise canalisation des eaux. Il y a quelques jours, un début de solution a été trouvé. Quelques travaux ont été engagés, ce qui satisfait quelques habitants du quartier. Si les travaux commencent à peine, nous saluons avec bravo cette initiative. C'est pourquoi on peut aussi remercier les autorités publiques pour tout ce qu'ils font. Si la mairie peut aussi faire son travail de dégager les caniveaux qui sont bouchés, c'est bon. Déjà, ça circule mieux. La canalisation à l'origine du malaise devrait être remplacée. Tout le monde espère que les travaux iront jusqu'au bout. Je crois qu'avec la dynamique de groupe du nouveau gouvernement, ça ira à terme. Nous avons la foi. Une légère amélioration donc qui devrait se confirmer à la fin de ce chantier confié à l'entreprise Sogasser qui ne travaille pas le dimanche, pourvu simplement que les délais soient respectés. La journée de la femme était une opportunité pour les femmes de la Confédération syndicale gabonaise de se mettre dans la prière. La rencontre de la Chambre de commerce samedi dernier a permis de demander l'assistance de Dieu dans l'action des femmes. Nous sommes des milliers de femmes au Gabon et à Libreville, nous pouvons commencer un mouvement de mobilisation pour la Journée internationale de la femme. Et nous ne voulons pas nous mobiliser pour ne rien, mais pour expérimenter, pour mettre en exerce nos connaissances. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Et qu'est-ce que nous avons déjà fait? La présidente d'honneur a incité les femmes à se lever et à se prendre en charge. Nous avons remarqué que la femme syndicaliste ne s'imprègne pas des problèmes des travailleuses en général. Que ça soit, qu'elle soit commerçante, qu'elle fasse les plantations, c'est que toute femme est travailleuse. Dans le syndicat aussi, nous avons des problèmes parce que pour faire venir les femmes, nous avons des difficultés. Et c'est pour cela que nous avons appelé les femmes de l'église pour dire que pourquoi à l'église, quand on dit aux femmes d'aller à l'église, tout de suite, après le travail, elles y vont. Mais quand on appelle nos sœurs femmes pour le syndicat, elles ne sont pas là. Donc c'était un peu par rapport à ça quoi, que nous avons fait cette journée. C'est la COSIGA qui l'a organisée. Les femmes syndicalistes invitent l'ensemble des femmes travailleuses à une prise de conscience et à travailler ensemble. La rentrée politique du Parti démocratique gabonais pour Libreville a eu lieu ce samedi. Deux thèmes ont été retenus pour arrimer le nouveau pacte social au plan stratégique Gabon émergent afin d'apporter une participation importante du parti. Le rassemblement ce jour, c'est le regroupement de l'ensemble des fédérations de la commune de Libreville. C'était une manière un peu de lancer des activités dans la commune de Libreville. Nous avons donc, au cours de cette rencontre, qui a été mise sur le sceau de deux thèmes, c'était le plan stratégique gabonais émergent et le pacte social également. Le Parti démocratique gabonais à Libreville, c'est aussi les démissions et les déclarations en cascade des anciens hiérarques de cette formation qui se trouvent ainsi fragilisés. Le PD se porte très bien. Et je dis, d'accord, je reconnais l'imminence de ces deux personnalités qui ont quitté le PDG. Je reconnais l'imminence, je reconnais également l'envergure de ces
ces deux personnalités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face. Ces deux personnalités vont entraîner avec elles des militants du parti. Mais comme je l'ai dit, ça nous interpelle et je pense qu'il est temps que nous mettions la stratégie en place pour voir comment arrêter l'hémorragie, pour ainsi dire. Pour le secrétaire communal Vincent de Paul Ngondjou, le Parti démocratique gabonais, malgré ses nouveaux départs, se porte toujours bien et tenterait de stopper l'hémorragie.